Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Caroline et dans cette vidéo je vais vous donner quelques idées de cadeaux de Noël personnalisables. Vu que Noël approche à très grands pas, je me suis dit c'est l'occasion de vous proposer quelques idées si vous n'avez toujours pas trouvé de cadeaux de Noël. Donc voilà, on y va tout de suite pour la suite de la vidéo. Première idée de cadeau de Noël, c'est un boom boom. En fait c'est un cube. Et ce cube, donc on peut mettre une image sur chaque côté du cube. On ouvre la carte en fait, le cube il saute en fait, il y a des petits confettis aussi. Et c'est trop drôle. C'est une bonne surprise. Donc ça fera très plaisir. Moi je l'ai offert à une amie il y a 2 ans pour Noël aussi. Et c'était vraiment trop drôle, on avait trop ri. Même moi qui savais comment ça allait rendre, franchement sur le moment ça m'a trop surpris. Parce que en fait, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait mis son doigt sur. Sur la carte alors qu'elle devrait pas le mettre, et donc quand elle a ouvert, ça n'avait pas sauté tout de suite. Et après quand elle a bougé, ça a sauté et ça nous avait toutes les deux prises par surprise et on a tellement rigolé, c'était trop drôle. Donc franchement c'est une bonne surprise, très très originale, voilà. Deuxième idée de cadeau, c'est un porte-clés personnalisable. Donc un porte-clés personnalisable, c'est en fait c'est une forme de rouleau de pellicule d'appareil photo, enfin c'est un rouleau de pellicule d'appareil photo. Et on peut choisir plusieurs photos en fait de notre choix. On peut le dérouler et on a toutes les photos qui apparaissent. C'est comme un petit album photo à garder sur soi, qu'on peut garder tout le temps sur soi et c'est très petit et c'est trop cute. Franchement, au moins la personne pourra avoir tout le temps votre photo sur vous et pourra montrer un peu à tout le monde. Donc c'est trop cool ça. Troisième idée de cadeau, c'est une lampe de photo 3D. Donc en fait on choisit une image. Peu importe l'image de vous, de votre copain, de votre copine, enfin peu importe de famille, etc. Et cette image, il a en lampe. Donc on pourra le poser sur la table et le voir de jour comme de nuit vu que ça illumine. Elle sera toujours là, toujours présent et on pourra toujours la voir. C'est comme un cadre photo offert mais de manière originale. Donc c'est trop cool. Quatrième idée de cadeau, c'est un puzzle personnalisable. Donc pour toutes les personnes qui adorent les puzzles, vous pouvez leur offrir ça. Franchement ça fait très plaisir. Moi on m'en a offert un pour mon anniversaire mais ils pouvaient bien évidemment l'offrir pour Noël. C'est comme ceci, en fait ils ont choisi une image. Peu importe l'image de votre voyage, de vous, enfin de la personne, de vos proches. Et vous pouvez la mettre et la personne fera le puzzle quoi. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez aussi par la suite l'encadrer. C'est à dire que le mettre dans un cadre et vous pouvez l'accrocher. Donc très très bonne idée que moi j'adore bien évidemment vu que je l'ai fait donc... N'hésitez pas. Cinquième idée de cadeau, c'est un livre personnalisable de votre famille ou de votre couple. Et vous avez juste à choisir vos petits traits, donc les yeux, le nez, etc. Comme un bitmoji en fait. Et après vous avez juste à raconter, vous avez juste à écrire votre histoire avec les illustrations qui peuvent aller avec. Donc c'est un livre que vous perdez tout le temps, le relire. Le lire par la suite à vos enfants, enfin, trouver c'était une très bonne idée. C'est pas quelque chose que j'ai vu beaucoup offrir, donc voilà, si vous voulez quelque chose d'original, ça l'est, et ça fera plaisir à la personne qui va le recevoir, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Sixième idée de cadeau, c'est une box photo personnalisable. En fait, c'est plusieurs boîtes, du plus grand au plus petit, on les met l'un dans l'autre. Et en fait quand on ouvre la première boîte, il y a toutes les photos, ça fait un peu comme les pétales en fait, donc ça s'ouvre et il y a toutes les photos qui tombent en fait. Parce que vous allez bien évidemment mettre vos photos à vous, et c'est les photos, vous les mettez sur le côté. En fait c'est vraiment une boîte à faire vous-même en fait. Et vous avez juste chassé la boîte, les photos et les mettre à l'intérieur. Et du plus grand au plus petit à chaque fois vous ouvrez une boîte, ça tombe. Et à l'intérieur, une petite boîte et vous mettre un petit cadeau à l'intérieur. Donc ça va de surprise en surprise en surprise, à la fin encore une plus grosse surprise et ça fait trop plaisir quoi. Septième idée, c'est une box, en fait c'est un peu la même idée que le box photo, mais là c'est vraiment une box qu'on va faire soi-même en fait. On va prendre plusieurs boîtes nous-mêmes et on va découper les côtés de vous, par exemple pour prendre de la nourriture, un petit pull, etc, les mettre sur des côtés, ainsi de suite. Et même idée, vous pouvez ne pas découper la boîte qui se trouve au milieu, mettre un petit cadeau à l'intérieur aussi. C'était une très bonne idée à faire soi-même, donc mettez la main à la pâte et allez go, ça fera très plaisir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des idées que vous allez reprendre, ça me ferait très plaisir de savoir ça, donc voilà. Merci, à bientôt, à la prochaine.